Bonjour à toutes et à tous, ici Slec350 pour faire une toute nouvelle vidéo de Call of Duty Black Ops cette fois-ci. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo assez spéciale, tout simplement parce que oui, j'avais dit que je ne ferai plus de vidéos de Call of Duty jusqu'à ce que j'ai mon Dazzle. Sauf que ouais, j'ai abandonné cette idée parce que d'avoir un Dazzle, parce que voilà, hein, je trouve que ce que je fais c'est déjà pas mal et il n'y a pas besoin d'avoir une super qualité pour expliquer des tutoriels. Je sais que c'est pas très agréable pour les yeux, mais bon, je fais avec ce que je veux et je veux pas dépenser tout mon argent pour tout simplement pour tout ça, hein. Enfin je veux pas dépenser beaucoup d'argent pour ce que je fais, surtout que je fais pas beaucoup de vidéos de Call of Duty, enfin du moins elles sont pas superbes, et voilà, tant que c'est plus... Après peut-être que si je fais des super vidéos, que j'ai 400 000 abonnés et tout, ok ouais, j'en ferai peut-être avec un Dazzle, mais pour l'instant non. Alors c'est une vidéo spot Tomahawk cette fois-ci sur la map Nuketown. Alors nous sommes en recherche et destruction, vous pouvez aussi faire ces spots en MME, mais aussi en démolition. Alors on va tout de suite enchaîner avec le premier spot qui est un spot de moi cette fois-ci. Alors vous allez viser, comme vous voyez il y a le nuage là, vous voyez un nuage, vous allez mettre le caillou au milieu de votre viseur à la limite de ce nuage, comme ceci. Vous allez lâcher votre tomahawk à peu près, vous allez décaler légèrement vers la droite par contre du toit, enfin du bout du toit, de l'angle si vous préférez. Vous allez lâcher et il va atterrir dans un endroit très fréquenté, bah, ceci, bah voilà, il est pas beau hein, le couteau, hop, enfin le couteau, le tomahawk, voilà, c'est un spot franchement qui ma foi assez bien. Pour toucher l'ennemi, il faut que l'ennemi soit ici, il peut aussi être décalé un petit peu vers là, il faut savoir un petit peu anticiper, après c'est le hasard, il faut qu'il y ait du monde hein, aussi, ici. Alors on va tout de suite enchaîner avec le second spot, qui est un spot de Falkogi, je sais, ça fait deux fois que j'en mets des spots de Falkogi, parce qu'ils sont tout simplement géniaux. Alors on va tout de suite enchaîner avec ce spot, vous allez viser comme ceci. Ça veut dire que vous allez aligner votre viseur, le bas de votre viseur, au haut de l'antenne, pardon, pour les fautes de trucs, enfin de choses, enfin voilà, vous m'aurez compris. Et vous allez l'aligner aussi à cette poutre-là, que vous voyez ici. Voilà, vous visez comme ceci, moi je l'aligne aussi avec le balistique, parce que ça marche aussi bien. Attendez une seconde. Oups. Bon bah. Oh ça a marché parce que je l'ai lâché un petit peu tôt sans exprès. Logiquement. Je crois que j'ai réussi. Mais je suis pas sûr. Moi j'ai réussi. Et voilà, il passe par cette porte là. Et il arrive, il traverse toute la maison. Ce qui est très pratique pour toucher tous les ennemis qui arrivent d'ici. Je vous mettrai les kit cam à la fin, je les commenterai et tout comme d'hab. Ensuite, second spot. Enfin, troisième spot, un spot vraiment très difficile à maîtriser. Il faut quand même avoir une maîtrise assez particulière. Alors, il faut se caler. Le placement, il est simple. C'est ici, à la haie, au coin de la haie, vous vous calez. Voilà. Ensuite, vous visez. Cette fois-ci, c'est le haut de votre viseur que vous allez aligner à l'antenne, au haut de l'antenne. Vous mettez comme ça, vous calez bien. Vous avancez, vous sautez, vous tirez. Et logiquement, il atterrit aussi dans un endroit très fréquenté, c'est-à-dire cette fenêtre-là. Alors regardez, je sais pas s'il est vraiment passé, parce qu'il y a des fois en fait il touche juste le coin et il passe pas vraiment. Bah là il est passé, regardez, il est là. Ensuite, alors ça c'est plutôt, bon, j'appelle ça un spot, mais c'est plutôt un truc et astuce. Alors voilà, quand vous avez un ennemi à la fenêtre d'en face, il suffit de mettre le petit A juste en dessous de l'ennemi. Vous tirez et ça le touche tout le temps, à chaque fois ça le touche, quasiment tout le temps ça le touche. Un truc astuce assez sympa qui marche aussi sur PS3, mais il ne marche pas en écran scindé. Attention, hein, ceux qui font en écran scindé, ça ne va pas marcher. Ça marche des deux côtés, ce qui est ma foi bien pratique. Regardez bien. Oh là, j'ai visé à côté. Où qu'il est ? Oui, il est tombé par terre. On va tout de suite enchaîner avec l'avant-dernier spot. Ça c'est pas un spot que j'ai trouvé moi-même, hein. Ceux que j'ai trouvé moi-même, c'est le truc avec le A, celui d'ici là, juste à côté à la maison là, et celui de tout là-bas, enfin moi c'est les spots des fenêtres que j'ai trouvé en gros. Ensuite on va tout de suite enchaîner avec ce spot, c'est un spot assez simple, hein. Vous vous calez comme ceci, vous visez au-dessus du point B, à droite ou à gauche, vous visez comme ceci. Et le tomahawk atterrit sur le point, il atterrit quelque part par là. Il doit être passé dessous, un truc comme ça. Oh non, je rêve. Attendez, est-ce que c'est ça?
Ah, mais là j'ai super bien visé, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, mais c'est amazing ce que j'ai fait là. C'était. Regardez, j'ai carrément mis dans la bombe le Tomahawk. Alors le truc il est arrivé, il est. Et what the fuck, il me gobe. Alors franchement, j'ai géré là, je suis content de moi. Ensuite, par contre, voilà, après vous anticipez un peu là où vous avez posé la bombe. Hein. Faut quand même un petit peu anticiper. Alors ensuite, un autre spot assez connu, je pense, que tout le monde connaît assez. Bon, après, c'est pas moi, je vous dis juste les petits trucs et astuces de Nuketown. Voilà, vous visez comme ceci, enfin vers là, enfin jamais su vraiment où fallait tirer, moi je visais ici, hop, voilà, vous atterrissez. Et le Tomahawk va toucher l'ennemi qui se trouvait là, là il a rebondi, c'est pour ça je crois. Ou alors fallait peut-être mieux viser, bon j'avais la flemme. Bon voilà, c'est à peu près ça. Ensuite un petit truc bien sympa à faire, genre en partie privée, vous demandez à votre allié de s'allonger ici. Vous tirez dans le pot d'échappement, enfin dans la cheminée, pardon. Je me suis chié, il est pas. Ah bah regardez, il est sorti là cette fois. Alors voilà, je crois que c'était tout pour les spots Tomahawk. On va tout de suite enchaîner avec les killcams. Alors je reviens tout de suite. Re tout le monde, alors voilà, nous allons faire avec la première killcam. Regardez, j'ai bien visé comme il fallait. Voilà, j'ai placé mon deuxième personnage en écran scindé, bien sûr. Regardez, il atterrit bien dans la fenêtre. Hop là, dans le cou cette fois. Voilà, c'était assez sympa. Voilà, on va tout de suite enchaîner avec la seconde killcam. Voilà, on se retrouve pour la seconde killcam, regardez bien. Moi je vise comme d'habitude, hop là, je lâche le couteau de lancer. Regardez, il va rafler là. Oula, j'ai un peu pas très géré. Mais bon, il touche quand même l'ennemi qui se trouvait derrière la porte, ce qui est, ma foi, bien pratique. On va tout de suite enchaîner avec la troisième killcam, c'est parti. On enchaîne tout de suite avec la troisième killcam, désolé, il y a un bruit de fond, je sais pas c'est quoi du tout. Voilà, la troisième killcam, désolé sur le bruit de fond, c'est mon ordi qui s'est allumé tout seul, il y a les pubs et tout, c'est vachement chiant, donc vous voyez bien que ça a bien marché. On va tout de suite enchaîner avec les deux avant-dernières killcam, c'est-à-dire les petits trucs et astuces, c'est-à-dire on va le faire dans les deux sens, cette fois-ci. Alors, bon, je vais vous le faire en direct, comme ça, je pense que ça a marché du premier coup, c'est pour vous prouver que ça marche quasiment du premier coup. Comme ça vous aurez en plus la killcam, désolé si j'ai pas coupé les pubs, là je coupais le son de mon ordinateur. Voilà, on se met comme ça, une seconde je coupe le son de mon ordinateur au cas où il y aurait d'autres pubs bizarres qui s'afficheraient. Voilà, on cale comme ceci, j'ai fait pareil de l'autre côté. Ou par contre, attendez, j'ai visé solide, du coup je sais pas trop si ça a marché. Ouais, ça va peut-être pas marcher. Ouais, quand on a visé solide, faut mettre le point A sur l'ennemi. Comme ceci. Regardez. Oh le fail. Oh non. Moi bon, ça va, j'en ai deux ex. Bon, par contre, caler aussi le viseur au-dessus de l'ennemi. Oh merde. Oh là là, le fail. Une seconde. Hein. Désolé, en écran scindé, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que je fais là? J'ai vu qu'il avait cogné et tout, mais. S'il est là. Bon, au pire, je vais vous faire qu'une killcam. Je vous ferai la deuxième aussi en direct après. Bon, là, je me suis chié parce que. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en écran scindé, ça ne marche pas. Donc je vais quand même essayer de vous faire la killcam. En écran scindé, il faut mettre le viseur sur le joueur, il me semble. Le joueur est là. Ouais, ça marche. Par contre, ça c'est en écran scindé. Hein, par contre. Oh putain, juste à côté. Ouais, par contre, en écran scindé, c'est super dur à faire parce que c'est pas du tout pareil qu'en écran normal. En écran normal, vous inquiétez pas, ça marche à tous les coups, vous pouvez le faire en multi. Et vu que là je suis en écran scindé et que j'ai la flemme d'installer le multi, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Regardez là, j'ai juste calé le point A dessus et ça passe tranquille. Regardez là on ne voit pas le point A, mais bon. Normalement il y est, hop, je lâche le Tomahawk et il atterrit sur le joueur. Dans la hanche. Je l'ai hanché.
Bon, je vais pas vous faire de l'autre côté parce que j'ai la flemme. Alors, on va tout de suite enchaîner avec l'avant-dernière Killcam. A tout de suite. Voilà, on enchaîne tout de suite avec l'autre Killcam. Bon, elle est assez simple. Regardez, en fait, il fallait juste viser ici. À l'intersection, hop. Et voilà, c'est parfait, ça rentre tranquille. Bon, voilà, c'est un petit spot que je vous conseille en RD. Ça peut être bien sympa à faire en Killcam. On enchaîne tout de suite avec la dernière Killcam. Que là-bas, là, je serais exprès, j'avais pas mis de limite de score. Donc, on va tout de suite enchaîner avec la dernière Killcam. Je vais vous couper tout ça. On enchaîne tout de suite avec la dernière Killcam. Regardez, pas trop mal. Bon, je me suis un peu éclaté sur le coup. Voilà, je me suis amusé. Hop, ça rebondit sur le camion et ça touche l'ennemi. C'est assez pratique. Voilà, bon, vous avez vu à peu près où vous posez la bombe pour le faire. Donc, voilà, c'était la Killcam. C'était tout pour le bah, pour les spots couteau de lancer. J'espère que ça vous aura plu. Il faudra vous entraîner par contre à les faire en partie privée. Surtout celui d'ici là. Il faut vraiment vous entraîner parce qu'il est super difficile. Ensuite, voilà, pour celui-là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement. Comme à tout, il ne faut pas avoir visé solide. Hein. Il ne faut ni être en écran scindé pour le faire. Désolé. En écran scindé, il faut placer le point A, je rappelle, sur le joueur. Et non en dessous, comme quand on le place en dessous le point A, c'est quand on est en écran normal. Ensuite, pour les spots d'ici, là, je conseille de vous entraîner aussi, d'anticiper et tout, d'avoir un bon timing. Je vous conseille aussi de placer une caméra ou un capteur de mouvement près de la bombe afin de savoir si si l'ennemi est là ou pas. Voilà, pour celui-là, c'est assez simple. Je vais rappeler quand même où est-ce qu'il faut tirer, juste au cas où certains n'auraient pas bien vu. Voilà, il faut tirer ici, là. Pile ici, il y a une intersection. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, ici, là. Il faut lâcher votre automoque ici. On va essayer de la faire vite fait. Je vais vous la faire vite fait tranquille. Oh ouais. Donc moi, j'ai posé la bombe et tout. Oh, je suis un fifou. Donc voilà. Hop, vous posez la bombe ici. Toi, tu vas descendre. Du coup. On va dire que lui, il est con. Il m'a pas vu. Voilà. Hop là. On va dire que celui-là, il est très con et qui va aller désamorcer, disons. Par contre, j'ai que 30 secondes, donc ça va me suffire là, amplement. Si je faillis le pas, bien sûr. Alors, voilà, il désamorce les explosifs. Oh yeah, c'est la fête. Voilà, vous visez comme ceci, enfin, il me semble que c'est là. Oh bah mince alors. J'ai fail. Bon bah, c'est pas grave, vous m'aurez compris, là, ça a fail. Bon, j'ai pas compris pourquoi. On va faire. Wouah! J'attends. Headshot. Donc voilà, bon, c'était mon petit délire de la fin. Bon, on va s'arrêter là, je pense que ça commence à devenir grave. Oh, le noscope across the map. Ah ouais. Donc on va se laisser là-dessus. J'espère que ce tutoriel, c'est parce qu'il y en a quand même plusieurs, il y en a au moins 6, il me semble. J'espère que ces tutoriels vous auront plu. Je les ai fait en un temps record, franchement. Si tutoriel en moins de 13 minutes, franchement, j'ai fait un temps record. Alors, voilà, je vais vous laisser. Je vous conseille de vous entraîner en partie privée. Voilà, entraînez-vous beaucoup. Hein. Après, vous pourrez les faire en ligne. Ces spots-là marchent en MME, car en MME, il y en a aussi qui passent vers le camion, vers le milieu, il y en a toujours qui passent de temps en temps. Aux fenêtres, il y en a aussi. Et à la porte, il y en a aussi. Donc, je vous conseille de les utiliser à bon escient. Les atouts que je vous conseille, c'est cela. Si vous êtes en recherche et destruction, je vous conseille. Là je vous mets juste. Par exemple, moi je vous conseille. À la place de pillard, vous mettez poids plume. Vous mettez seigneur de guerre et marathon. Seigneur de guerre pour avoir deux tomahawks. Vous prenez un capteur de mouvement ou une caméra. Et voilà, bon après vous êtes tranquille, hein. Pour en MME, bah pareil, je vous conseille aussi poids plume et seigneur de guerre, avec marathon aussi. Sinon, si vous voulez vraiment, si vous jouez dans la précision plutôt que dans la rapidité, je vous conseille vraiment de prendre pillard, seigneur de guerre et marathon. Voilà, c'était tout, c'est juste pour les petits atouts. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!